À voix nue. Toute cette semaine, à l'occasion de la remise du prix Nobel de littérature, rediffusion de la rencontre de Jean-Pierre Thibaudat avec Svetlana Alexievitch, enregistrée en 2005. Ce soir, ensorcelé par la mort. Svetlana Alexievitch, nous abordons maintenant votre troisième livre, Ensorcelé par la mort, qui, lui, prend un autre axe d'approche de votre de l'Empire soviétique, qui est le suicide. Alors on quitte la guerre d'une certaine façon, mais on ne quitte pas du tout la mort, qui est présente finalement peut-être dans tous vos livres, on peut dire. Évidemment, ce n'est pas un thème. Le mot thème est faux. C'est pour vous un symptôme, j'imagine. Я думаю, что это все-таки образ. Вот даже я бы сказала образ того куска нашей истории, образ нашей жизни, поскольку на протяжении 100 лет русской истории, и особенно советской истории, которую я исследую по всем этапам, главным иду ее, смерть была бессменным сопровождающим. Потому что, если глянуться назад, это огромное море крови и гигантская братская могила. Смерть – это среда нашего обитания, телесного, духовного, даже бытового. По-моему, даже у кого-то из историков русских, советских, есть такой образ, что социализм всегда был в сопровождении смерти. Oui, la mort ici n'est pas un thème pour moi. La mort pour moi est davantage une image ou une métaphore, parce que l'histoire de la Russie, disons l'histoire de la Russie soviétique, qui est mon thème de prédilection, est indissociable de l'idée de la mort, parce que si on regarde le passé, on voit un océan de sang, et au fond, notre histoire est une immense fosse commune. Un historien russe soviétique a très justement remarqué que le XXe siècle, pour nous, que l'idée même du socialisme, disons soviétique, est indissociable de l'idée de la mort. И в книге «Зачарованный смертью» я не рассматриваю проблему самоубийства как такового. Если бы я занималась этим, это была бы наверняка другая книга, другие примеры. А здесь я взяла людей, которые не могли пережить катастрофу, рушение вот этой огромной Атлантиды, социализма, вот этого мира, который на крови стоит. Это, в общем-то, я бы сказала, образ самоубийства идеи. Si j'avais fait un livre sur le suicide en tant que tel, j'aurais fait un autre livre. Moi, j'ai fait un livre justement sur les gens qui n'arrivent pas à survivre à la chute de l'idée, qui n'arrivent pas à survivre à l'écroulement de cette Atlantide, disons Atlantide soviétique, socialiste, et qui ne savent plus du tout comment continuer à respirer après ça. Et c'est bien là la force de ce livre, et plus encore que les livres précédents, je trouve que peut-être là vous approchez d'une sorte de mystère, finalement. C'est-à-dire, comment ces gens ont cru à une idée, comment en même temps ils ont été bafoués, comment ils ont été trahis, comment ils ont été battus, et en même temps la croyance subsistait. Par exemple, le premier témoignage, qui est une des choses les plus extraordinaires que j'ai lues, de ce vieil homme qui adhère au Parti communiste en 1920 et qui en même temps connaît tout le goulag, tout ça, et qui, dans son vieil âge, quand vous le rencontrez, est quand même quelqu'un de brisé.
Знаете, это удивительная встреча была вот с этим человеком. Когда стала рушиться империя, ну, когда она исчезла, казалось бы, без крови. Мы еще не знали, что кровь будет на окраинах империи, и вообще неизвестно, что еще варится в этом русском котле. Но тогда, вот где-то 92-93 год, даже где-то с 90-х, начался огромный массовый самоубийство. Это было Это une rencontre bouleversante pour moi. Parce que à l'époque de la chute de l'URSS, nous, on avait l'impression que ça s'est passé sans effusion de sang. On ne savait pas encore que les pourtours, les contours de l'Empire allaient être ensanglantés. Mais j'ai remarqué déjà à l'époque qu'il y avait une vague de suicides absolument extraordinaire. J'essayais d'enquêter, je lisais les journaux, je découpais les journaux dans l'ensemble du pays, etc. Mais c'était très difficile d'entrer en contact, très difficile d'enquêter. Et voilà qu'un jour, je rencontre d'abord la fille de ce monsieur, qui était un voisin, et puis lui-même, et nous avons sympathisé immédiatement, et voilà, il me raconte cette histoire, comme quoi lui, vieux communiste, en effet, devenu bolchevique dans les années, déjà de 1920, voilà qu'il était avant la guerre, dans les années 30, il est arrêté et déporté lui-même et sa femme, et lorsque la guerre éclate, il demande à partir volontaire à la guerre, ce qui est accepté, donc il part au front, il finit la guerre en combattant de manière héroïque, il revient avec des médailles, bardées de médailles, et avec plusieurs blessures. Et il est convoqué ensuite au comité du parti qui lui dit « Vous avez prouvé pendant la guerre que vous étiez un vrai communiste, donc vous avez versé votre sang pour la patrie, donc on vous rend votre carnet de membre, votre carte de membre du parti, mais nous ne pouvons pas faire de même pour votre femme parce que votre femme est morte. » Et il me dit, je suis sorti de là et je planais comme un oiseau, tellement j'étais heureux. Et je lui dis, mais comment pouvez-vous être heureux? Parce qu'ils ont quand même tué votre femme. Ils vous ont rendu un billet, le carnet du parti, qui était maculé du sang de votre femme. Vous ne pouviez pas être heureux à ce moment-là. Et il m'a répondu, vous ne devez pas nous juger d'après les critères de la logique et d'après les critères humains, vous devez nous juger d'après les critères religieux. Oui, et on sent bien, très bien tout cela à travers le livre, comment les gens parlent d'une croyance, non pas dans une idée, mais dans une foi. C'est vraiment une sorte de substitut, de nouvelle religion, de religion du XXe siècle, mais que le rapport au communisme est un rapport totalement sacré, enfin c'était mystique. Et alors ça, à travers ce livre, on voit très bien cela, vous insistez beaucoup là-dessus, à travers les témoignages, on voit bien que c'était d'abord une foi, et que c'est cette foi qui se fissure. Я думаю, что да, что когда вот мы говорим о социализме, особенно этим страдаем мы у себя внутри, потому что у нас еще свежа кровь, свежие обиды, и мы как-то стараемся оттолкнуть, особенно прежние 10 лет, а вот сейчас уже последние годы общество готово серьезно задуматься о том, что с ними было, а не только вот как бы оттолкнуться и закрыть глаза на прошлое, забыть его как страшный сон. Хочется понять все-таки, что с нами было. А социализм, вот идея эта, она не так проста. В ней, вот ее часто сравнивают с фашизмом. Фашизм откровенен. C'est vrai que l'idée sur les socialistes, communistes, est une idée complexe, est une idée compliquée. Elle est beaucoup moins franche que l'idée fasciste. L'idée fasciste est claire, mais l'idée communiste socialiste ne se résume pas, si vous voulez, à une forme d'esclavage où il y a quand même un rêve. Il y a un rêve de bonheur. Il y a un rêve d'une vie ensoleillée, d'une ville idéale, d'une construction un peu rêvée. Et ce n'est pas du tout étonnant de voir
tout ce sang qui a été versé au nom de cette idée, parce que si elle avait été simplement portée par un groupe de révolutionnaires, par un groupe armé comme ça de fanatiques, ça ne serait jamais passé, ils auraient été balayés tout de suite. Mais cette idée a réveillé dans le cœur des Slaves quelque chose d'extrêmement profond, un rêve, ça a correspondu à un rêve extrêmement profond dans le cœur des Slaves, et c'est pour cela qu'elle a pu aller si loin et être aussi mobilisatrice et aussi sanglante et pendant si longtemps. Я думаю, что это очень тоже важно сегодня об этом подумать, потому что эта идея принимает разные формы левизны, троцкизма. Я хочу сказать, что напрасно мы думаем, что это чудовище повержено. Оно еще не повержено, оно появится под новым названием, под новым оформлением. В общем-то, религиозные идеи, вот такие мощные, энергетические, как социализм, фашизм, они самые мощные идеи 20 века, я думаю, они до конца не убиты. Мы в это убеждаемся сегодня. Je pense que ces idées ne sont pas mortes. Les idées de communisme et de fascisme sont les idées certainement les plus fortes du XXe siècle. Elles ne sont pas mortes. Elles renaissent, elles se métamorphosent. Et en tant que cette forme de religiosité, cette forme de soumission de l'esprit à une idée assez vague, qui peuvent renaître sous différentes formes de trotskisme et d'autres histoires, on n'a pas fini de les combattre parce que elles sont porteuses d'une. Cette idée est porteuse d'une sorte de générosité qui cache ses véritables finalités. Mais Svetlana Alexievitch, dans « Ensorcelé par la mort », on voit aussi un moment un petit peu de bascule avec l'éclatement de l'URSS, avec l'arrivée de l'économie de marché. On voit très bien qu'il y a une bascule du collectif à l'individu. Et que là, évidemment, le suicide renvoie à l'individu, et que tout cela ne se fait pas simplement, que c'est comme un drame que tout d'un coup le collectif éclate. Дело в том, что почему вот эта идея прижила социализм еще на нашей почве, потому что вот эта соборность нашего сознания, вот это коллективизм, она перешла в коллективизм, поэтому вот эта неразвитость индивидуализма в обществе помогло организовать такие мощные массы и, в общем-то, привести вот механизм, который был таким лозунгом освещен, «Загоним железной рукой человечество в счастье». Это, в принципе, тоже некая религиозность во всем этом. Le socialisme, l'idée socialiste, disons, le collectivisme communiste, il n'est pas venu dans le monde slave, il a correspondu, en fait, à une idée collectiviste qui était très, très ancrée dans la religion orthodoxe. Et donc, au début du siècle, quand la conscience individuelle, disons, bourgeoise, a commencé seulement à se développer en Russie, la révolution est arrivée et est arrivée un collectivisme qui en fait était reconnu par les gens comme quelque chose qu'ils connaissaient déjà. Et c'est pour cela que ça a pu se produire aussi bien. Alors, lorsqu'il est devenu clair que l'idée était vaincue ou était sur le point, disons, d'être vaincue, et qu'il fallait maintenant s'inventer un destin individuel après un destin collectif, il est certain que les gens peut-être les plus conscients se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucun critère. Ils n'avaient aucun critère de jugement, qu'ils n'avaient aucune base, qu'ils ne pouvaient pas se déterminer, comprendre, ils n'avaient pas les éléments pour comprendre et les armes pour combattre. Et c'est ça qui a amené un désarroi profond et une forme de désespoir dont je parle dans ce livre. Это не так просто освободиться от гипноза этой идеи, я еще хотела об этом сказать, от этого очень мощного наркотика, потому что что делает мощная идея? Она как бы маленького человека делает большим, он причастен к этим, он как бы и статист, и герой одновременно. А вот когда он выброшен в это пустое пространство, когда у него нет ни религии, общества нерелигиозно в каком-то, ну, в настоящем смысле этого слова, и когда еще эта идея исчезла. La force de l'idée agit
sur les sur les petits gens. C'est-à-dire qu'elle rend les petits gens grands. C'est comme si vous étiez figurant et vedette en même temps dans un film. À la fois figurant et vedette. Et lorsque cette idée puissante disparaît, naturellement l'individu se trouve totalement désemparé. Il faut aussi comprendre la mentalité des Russes, qui était encore Dostoïevski, l'avait défini de manière très frappante et qui explique un peu ce qui se passe aujourd'hui. Dostoïevski disait que un Russe ne serait jamais satisfait d'une maison de rapport parce que un Russe ne vit pas dans la réalité. Il est toujours comme si le corps était sur terre et l'âme était au ciel. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'absolutisme, une sorte de maximalisme russe qui est très différent de la mentalité, disons, occidentale, où on se dit, voilà, bon, un rapport de 3%, c'est très bien, et pas pour le russe. Il cherchera toujours, toujours plus, et il sera toujours dans une recherche d'absolu. C'est cela aussi qui explique le désarroi actuel. Потому что мы никогда не жили без великой идеи. Сначала это было Москва, третий там Рим, великая Россия, потом была мировая революция, мессианские идеи, они культивировались вообще всей нашей культурой. И это, конечно, кровавый вариант был в советское время, но это было продолжение все той же идеи. И поэтому сегодня, как никогда, русский человек одинок. Nous n'avons jamais vécu sans une grande idée. D'abord, c'était l'idée de Moscou, la troisième Rome. Ensuite, il y a eu l'idée impériale, le fait que nous étions le dernier bastion de l'orthodoxie. Ensuite, il est arrivé l'idée communiste, qui bien sûr était plus sanglante que les autres, mais enfin, elle faisait quand même partie du même courant. C'est pour cela que le russe actuellement est seul et désemparé comme jamais. И у меня вообще есть такая то ли трагедия, то ли меня как писателя, в каком смысле? Я никогда не могу дописать свои книги, потому что пока люди живы, эти книги невозможно дописать. Вот, казалось бы, книга написана много лет назад. Сейчас я делаю вторую ее часть этой книги, потому что сегодня прошло 20 лет после перестройки, после вот этого времени, когда эти люди уходили по этим мотивам. Вот. И сегодня опять усилились самоубийства в России. Vous savez, un de mes grands problèmes, c'est presque une tragédie d'écrivain, c'est que je ne peux jamais mettre un point final à mes livres. Je suis toujours, je pense que mes personnages sont vivants, ils sont vivants en moi, je vis toujours avec eux, j'essaie toujours de voir comment ils vivent, comment ils continuent à vivre. Et je suis en train d'écrire actuellement un deuxième, une suite aux ensorcelés par la mort, parce que bon, nous sommes actuellement 20 ans après le début de la perestroïka, et de nouveau une vague de suicides extraordinaire balaie la Russie. Dans ce livre, voilà, exactement, je vais m'interroger sur ce qui nous est arrivé, disons, depuis la chute du communisme, et je vous assure que c'est un espace totalement inexploré, totalement inconnu, parce qu'on a l'impression d'avoir le nez dans le guidon. Or, c'est une situation qui explique bien davantage le rapport à la mort, le rapport au choix essentiel entre la vie et la mort, éclaire bien davantage que toutes les autres analyses qui se passent actuellement. Svetlana Alexievitch, si le suicide traverse vos livres et va le retraverser à nouveau, il traverse aussi toute la littérature russe. Enfin, c'est quelque chose qui est très présent dans tous les écrits russes. Et donc, vos livres participent de tout cela. Mais dans cette époque, donc il est question d'ensorceler par la mort, au moment de cette chute de l'Empire, on sent déjà, à travers certains témoignages, des formes de suicide qui sont finalement très modernes. Il y a cette femme qui se suicide en avalant de l'acide parce qu'elle est au chômage et parce que son mari rentre à la maison, regarde la télévision, boit de la vodka et que son fils ne lui dit rien et que tout d'un coup, il y a une sorte d'incommunicabilité qui est là et c'est une forme, disons, qui nous est commune de suicide. Alors qu'à côté, il y a ces personnages dont on parlait tout à l'heure eux se suicident pour des raisons tout autres, parce que tout d'un coup, ils vivent dans un monde dont ils ne reconnaissent plus rien et que donc ils n'ont plus qu'à disparaître. Alors on sent ce charivari d'époque qui cohabite
suite. C'est-à-dire comme s'il y avait à la fois des formes occidentales, des formes soviétiques, tout ça, dans une sorte de feuilletage infernal que serait devenue la Russie post-soviétique d'aujourd'hui. Абсолютно точно. Когда я говорила, что в советское время все было понятно, добро, зло, вот эти идеи как бы близки интеллигенции, эти не близки интеллигенции, то есть все было понятно, да? Сегодня все совершенно непонятно. Вы имеете абсолютно правду, потому что, как я сказал тут алёр, du temps de l'URSS, tout était clair, tout était clair. Les clivages étaient clairs, le bien était là, le mal était là, enfin, tout était clair. Aujourd'hui, cet énorme chaudron russe est devenu quelque chose d'infernal parce que c'est une bouillie informe dans laquelle il est très très difficile de se retrouver. Когда все это рушилось и как бы рушили это, годами нарабатывали это разрушение, сидя на кухнях, вырабатывая идеи, распространяя какую-то литературу, всем казалось, вот рухнет эта кремлевская стена и откроется какая-то счастливая жизнь, счастливая или откроется дверь в какую-то счастливую жизнь. А когда все это рухнуло, оказалось, мы вышли с кухонь, оказалось, мы не совсем не способны предложить какие-то идеи строительства. У нас есть только идеи разрушения у интеллигенции. Мы не предложили никаких новых идей. В смысле экономической жизни мы бросались к разным вариантам, в конце концов остановились на американской модели вот этого жесткого диктатура. Вы знаете, pendant des années, l'intelligence soviétique changeait le monde dans les cuisines, élaborait des idées. Nous pensions tous qu'une fois que ce mur du Kremlin va s'effondrer, une vie merveilleuse allait commencer et que nous allions vivre dans la joie et l'allégresse, une nouvelle vie. Alors on s'est rendu compte que lorsque le mur s'est en effet effondré et que nous sommes sortis de nos cuisines, nous avons été totalement incapables d'élaborer des idées de construction. C'est-à-dire que nous étions critiques, nous avions des idées de critique, des idées de destruction du système ancien, mais nous avons été totalement incapables d'élaborer un système nouveau. Par exemple, sur le plan économique, on a bien vu qu'il y a eu des hésitations et finalement la Russie a opté pour un modèle américain de capitalisme sauvage qui est totalement inadapté ni à la mentalité russe, ni à son histoire. Et nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est pour ça que j'écris ce nouveau livre, 20 ans après le début de la perestroïka, nous nous retrouvons sans aucun espoir, c'est-à-dire que nous n'avons plus aucune illusion et le désarroi intellectuel et spirituel des gens n'a jamais été plus grand. Я думаю, мы были абсолютными романтиками, идеалистами. Это даже удивительно, вот такое лагерное страшное время, да, вот, или время глухого застоя, и вдруг такое количество идеалистов, романтиков. То есть сначала мы этим красовались, думали, что это прекрасные качества, а в принципе это не способность жить реальной жизнью. Вот что мы поняли. Aujourd'hui, que notre romantisme, notre idéalisme a été simplement une incapacité d'appréhender la réalité. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation extrêmement dangereuse où, comme avant la révolution bolchevique, le pouvoir traîne dans la rue. Et quelqu'un qui a une idée forte, qui a une puissance, une énergie forte, peut le ramasser et en faire finalement ce qu'il veut. Donc la situation actuelle en Russie est très, très dangereuse, très, très dangereuse sur ce plan-là. Et l'intelligentsia a montré sa totale incapacité à appréhender le monde et à le conceptualiser. Il y a une idée de Kabakov, du peintre Kabakov, qui me plaît beaucoup, quand il dit que du temps soviétique, nous, donc l'intelligentsia, nous combattions un monstre, un énorme monstre. Et finalement, nous l'avons vaincu. Et en sortant de chez nous, nous sommes aperçus que le monstre n'est plus là, mais que nous sommes entourés par un nombre incroyable de rats. Et les rats étant cette image d'un million et d'un milliard de petits problèmes très divers dans une société éclatée et dans laquelle nous sommes totalement impuissants. C'est pour ça que aujourd'hui, le pouvoir traîne sur un trottoir et il peut être ramassé. La peste est entrée en Russie. И мне очень понравилось, когда я беру интервью сейчас у людей вот, для продолжения этой книги, и мне очень понравилось, как один человек сказал, вы знаете, вот я вынужден меняться, я вот сейчас не на одной работе работаю, а на трех, и я понимаю, что надо меняться, но я ненавижу себя за то, что мне надо меняться. Понимаете, вот с Россией это происходит, она понимает, что надо меняться, но она ненавидит себя, что надо меняться, поэтому какие-то возникают опять о каких-то исконных ценностях, о наших,
недвижимости, и даже такие высказывания есть. Ну вот мы станем как все, но тогда кому мы будем интересны? Je fais des entretiens pour la suite de ce livre que je suis en train de faire, et une personne me dit, voilà, je m'adapte, je sais que je dois m'adapter, je m'adapte. Par exemple, avant j'avais un travail, maintenant j'ai trois emplois, j'ai trois boulots, et je m'adapte, et je me déteste parce que je m'adapte, je me déteste dans cette situation d'adaptation. Et voilà, cette attitude est très classique, et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui de nouveau des idées messianiques qui naissent et qui renaissent, et j'ai même entendu une phrase qui m'a stupéfaite, un intellectuel qui a dit, voilà, nous allons devenir comme les autres, et alors qui s'intéressera à nous? А я его спрашиваю, почему мы должны быть всегда интересны кровью только и страданием? Et moi je lui ai posé, pourquoi est-ce qu'on doit être nous intéressant uniquement par la souffrance et le sang? Он мне говорит, это наша роль в мире быть цивилизацией слез и страданий. Я думаю, что новое поколение уже с этим не согласно. Et il m'a dit, notre rôle dans le monde est d'être la civilisation des larmes et de la souffrance. Et moi je pense que la nouvelle génération n'acceptera plus du tout cette idée. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Pierre Thibaudat avec Svetlana Alexievitch, enregistrée en 2005. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, traduction Victor Loupane. Réalisation Ghislaine David, Anne-Pascale Desvignes. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.